est une bastide du XIIIe, contemporaine de Montpazier, sauf que cette fois c'est aux Français qu'on la doit, en l'occurrence Alphonse de Poitiers. Elle est construite sur un modèle similaire à plan régulier, sauf qu'elle était non close et entourée de fossés, mais avec sa place du marché au centre, comme ici cette magnifique halle qui a vu les marchands anglais succéder aux Français, qui l'ont cédé de nouveau aux Anglais, et ça, trois siècles durant. Maintenant, on continue notre plongée dans le Moyen-Âge, direction Castiones. Au hasard des rues, je suis arrivée ici à l'hôtel de cour de Tommaso. Alors c'est un petit hôtel particulier qui a été classé au monument historique et qui est accessible au public. Et ses propriétaires, monsieur et madame Watton, des Anglais, m'ont autorisé une visite de ce petit bijou. L'hôtel de cour de Tommaso a été construit en 1770 sur l'enceinte primitive du château de Castiones. Il a été dessiné par l'architecte Victor Louis, celui-là même qui fit bâtir l'opéra de Bordeaux. La vie ici semble se moquer des siècles et tous les styles s'y côtoient dans un foisonnement joyeux pour notre plus grand plaisir. C'est trop beau, non? Moi, j'imagine bien la vie ici au 13e avec les poules, les cochons, les charrettes, bon, les odeurs aussi. Et à propos de 13e, on retourne au cœur du Moyen-Âge, direction ici Jacques. Là, nous sommes devant la Maison Champignon, qui est vraiment une maison emblématique d'Issijac. Issijac, c'est un petit village médiéval qui est plein de charme, qui a été bâti au XIIIe siècle autour de l'église Saint-Martin, qui s'est doté de remparts puisque c'était en pleine guerre de Cent Ans. Et la bataille de Castillon, qui a mis fin aux hostilités entre les Anglais et les Français, n'a pas encore eu lieu. C'est la fin de la deuxième étape, ça m'a donné un petit peu faim moi. Je vais essayer de me trouver un petit resto sympa et ça ne manque pas trop dans le coin. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape qui va nous conduire sur le Dros sauvage. Bye bye !